Yo l'équipe, c'est Raptor, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une très très grosse vidéo par rapport à un secret caché dans la map de Fortnite Battle Royale. Du coup, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, avant de démarrer le sujet, n'hésite pas à lâcher ton gros pouce bleu, à t'abonner si tu es nouveau et que tu kiffes mon contenu et à activer la cloche des notifs pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui seront à venir, des news, des gameplays, des tutos et plein d'autres choses uniquement sur le thème de Fortnite Battle Royale. Du coup, bref, trêve de blabla et passons direct au sujet de la vidéo. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, très très gros sujet, c'est par rapport à un secret caché dans la map de Fortnite Battle Royale. Il y a quelques jours, un américain a trouvé des œufs de dragon à Polar Peak. Du coup, je te mets maintenant la vidéo, du coup n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin et on se revoit juste après. Voilà, du coup, tu as pu voir la vidéo et on remarque que c'est du très très lourd. Le gars, il s'est intégré à Polar Peak via le mode studio ou je ne sais comment. Il a réussi à faire un petit glitch d'affichage qui lui a permis d'aller en dessous le sol, en dessous de l'endroit qui est un petit peu bloqué. Et on peut voir qu'au niveau de, à moitié, une petite prison, voilà. Comme on dit dans les prisons, c'est le petit cachot, voilà, des châteaux forts. Et on peut voir qu'il y a des œufs de dragon. Pourquoi des œufs de dragon? Pour l'instant, on n'en a aucune idée, on n'a aucune info sur le sujet. Il n'avait même pas été trouvé dans le code du jeu parce que dernièrement Epic Games avait crypté leur code. Mais là voilà, on peut voir que le mec a fait un petit glitch d'affichage et il a eu accès à des œufs de dragon. Mais pourquoi, on n'en a aucune idée, on n'a pas vraiment d'infos. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que voilà, il y en a quand même 4 ou 5, il n'y en a pas que 1. Et ça peut annoncer du très très lourd pour les prochains jours, pour les prochaines semaines ou les prochains mois à venir dans Fortnite Battle Royale. On vous avait pu voir également que quand le mec s'est approché des œufs de dragon, on a pu voir une petite silhouette dans un ou deux des œufs. Et ça veut dire que les œufs sont en train de grandir, que la silhouette va normalement progresser et devenir mature. Ça veut dire que voilà, par rapport à la silhouette, on pourrait penser à un hippocampe. Mais c'est plutôt un bébé dragon qui va grandir au fur et à mesure des jours dans le jeu. Du coup, ça peut annoncer du très très lourd. Voilà, est-ce que ça pourrait faire une toute nouvelle map comme on l'espère depuis quelques mois, voire peut-être un nouvel environnement. On a eu Paradise Palm avec le désert, on a eu Polar Peak, etc. avec la neige dernièrement. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un événement du style, voilà, des feux, des grands volcans, des grandes montagnes, peut-être en haut à gauche de la map? Ça pourrait être vraiment très intéressant. Mais pourquoi en haut à gauche de la map? C'est parce qu'à droite, il y a le bloc et ça m'étonnerait qu'ils intègrent quelque chose de nouveau alors qu'ils viennent de mettre en place une toute nouvelle fonctionnalité. Du coup, pour l'instant, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, on n'a pas grand-chose sur le sujet des œufs de dragon, mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que ça annonce du lourd. Je vais donc me tenir un maximum au courant sur le sujet, faire des recherches tous les jours. Et bien entendu, dès que j'ai une nouvelle info, je te tiendrai au courant dans une des prochaines vidéos. Du coup, voilà, hein, par rapport aux œufs de dragon, hein, j'ai pas grand chose à dire. Je n'ai pas encore fait vraiment de théorie. Et voilà, c'était juste pour te montrer la nouveauté. Du coup, n'hésite pas à partager à tes potes un max pour qu'un maximum de personnes soient au courant. Je te le redemande à nouveau, n'hésite pas à lâcher ton like. Ça m'aide à progresser, à être un petit peu dans les recommandations entre guillemets de YouTube. Et je te dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as kiffé et je te dis à la prochaine. Bye.
contre.